Et maintenant, un coup d'œil sur le nouvel album de la chanteuse Nancy, intitulé « Mot pour mot ». Nancy nous vient du Grand Sud, très précisément de la ville de Gap. Elle réside depuis quelques années en Vendée et c'est le premier album qu'elle compose entièrement sur des arrangements de Jean Guibray. Nouvel album, mot pour mot. Alors des mots M-A-U-X, ça veut dire qu'il y en a des blessures à soigner? Il y en a eu, oui, comme tout un chacun, j'imagine, enfoui depuis longtemps. Et bon, j'ai trouvé cet exutoire pour me faire du bien, pour m'éviter les séances de psy, je le dis honnêtement. Ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, c'est des choses à raconter. Peut-être dans certaines personnes qui vont écouter l'album se reconnaîtront. Voilà, c'est pour partager un vécu. Voilà. C'est un album qui parle d'amour avant tout, de plusieurs formes d'amour. Je suis celle qui voulait vivre cette vie aussi mal commencée. Je suis celle qui s'est accrochée à ce corps déjà tant malmené. Je suis celle qui dit j'y suis, j'irai. Certains d'assumer vos gestes. Je suis celle qui toujours se J'essaie de varier un petit peu la longueur de l'album, plusieurs rythmes, un petit peu plus rock, un petit peu plus balade, un petit peu plus triste, un peu plus gay, même au niveau des textes, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu engagé aussi, il y a des textes sur la paix, c'est ce qui fait aussi partie de l'amour, hein. Il y a l'amour maternel, il y a l'amour physique, il y a l'amour de la rencontre, l'amour de soi, qui n'est pas évident à trouver. C'est aussi le fond de l'album, voilà. Un peu tout ça, et je pense que tout un chacun s'y retrouvera, j'espère. Voilà. On connaissait Nancy interprète, la voici auteur aussi, puisque tu as écrit quand même la musique et les textes. Oui. Les textes étaient prêts depuis quelques années, en plusieurs années je les ai écrits, il y en a 14 en tout. La musique c'est venu récemment, c'est pour ça que l'album ne vient qu'aujourd'hui, malgré les textes et quelques années. Et c'est un grand bonheur, c'est vrai que voilà, découvrir la composition était un grand grand bonheur et j'espère que mes notes vont faire rêver. Voilà, un album maintenant qu'il faut faire vivre bien évidemment, hein, qu'il va falloir promotionner, on va te voir un peu partout. Oui, en tout cas, quelques interviews radio de prévues, je vous donnerai les radios et les dates exactes sur Facebook très rapidement, sur nancychanteuse.com aussi, sur le site et sur Nancy Auteur Interprète sur mon Facebook. Vous aurez tous les renseignements très très rapidement pour les interviews. Alors Nancy, un premier album qui va en appeler peut-être d'autres derrière.
Oui, j'espère bien, oui, oui. Là, on va mettre celui-là en route, on va voir comment il plaît. Est-ce qu'il plaît? Je l'espère. Les quelques retours que j'en ai pour l'instant, il était disponible depuis le 25, et donc depuis quelques jours, et les retours que j'en ai sont assez positifs, donc je suis très contente, et j'espère que ça continuera, et puis bientôt un deuxième album, j'espère aussi. Il y a des sons qui font du bien, il y a des mots qui apaisent. Il y a des notes qui réveillent, d'autres qui font pleurer. Sur cette portée je m'envole, avec toi je m'élève. À chaque fois c'est un peu de toi que tu laisses échapper. Dès l'entrée dans la salle, je m'en vais, je me balade. Attente et impatience, heureuse je m'évade. J'imagine la vie en coulisses, stress, timing serré. Toi derrière le rideau, tu attends concentré. Que serais-je sans toi, l'artiste, le rêve, la voix. Un être sans passion, ni envie et pourquoi. Quelle vie sans la musique qui me fait tant de bien. Une vie à demi que tu remplis si bien. Mot pour mot, le tout nouvel album de Nancy, vous pouvez vous le procurer à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Tout de suite la météo suivie du...